Point d'exclamation. Point d'exclamation, a crié le village de La Houssaye-en-Brie. Dimanche, peu après minuit, quand Lison Di Martino a été élue, seulement, deuxième dauphine lors de l'élection de Miss France. Ils étaient persuadés qu'elle allait remporter la couronne. Lorsque Lison Di Martino s'est retrouvée parmi les cinq dernières finalistes, l'ambiance déjà chaude est devenue survoltée dans la salle polyvalente de La Houssaye-en-Brie, le village d'origine de la belle Seine-et-Marnaise, fort de 1600 âmes. À quelques minutes du sacre, tout le monde y croyait dur. Comme faire point, c'est obligatoirement elle qui va gagner, lançaient les voisins de son lotissement. La victoire était certaine à leurs yeux. Lorsque la jeune femme, qui a fêté ce samedi ses 19 ans, a été retenue parmi les 12 finalistes, la température était déjà montée d'un cran. Mais lorsque son nom est sorti parmi les cinq dernières qualifiées, c'était l'hystérie. Certains concédaient que Miss Corse et Miss Nord-Pas-de-Calais étaient des menaces, mais la victoire était certaine à leurs yeux. Tout au long de la soirée, les 80 personnes réunies en famille ont applaudi et crié, dès que le visage de Lison Di Martino apparaissait sur le grand écran. Tous avaient d'ailleurs apporté leur pique-nique, pour vivre l'événement. Les voisins de son lotissement étaient même réunis à une des tables. On la connaît depuis qu'elle est toute petite, elle a été à l'école avec nos enfants, souriaient Patrice et Eliane Julien. Malgré un parcours magnifique, il a manqué un petit quelque chose à Lison pour décrocher la couronne tant convoitée.